T'as mal au ventre? Va aux toilettes? Abonne-toi pour plus d'astuces. Yep, churukul. Les lunettes sont de sortie parce qu'aujourd'hui, il fait carrément beau, les gars. Et le début de cette vidéo, c'est dans la voiture parce que dehors, à Yonoto, c'est fort le vent, les gars. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à faire, mais comme dans toutes les vidéos, avant de commencer notre vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de publier chaque jour une vidéo. J'utilise mes vidéos comme une sorte de journal personnel que j'ai envie de léguer à mes enfants. Mes enfants, ils regardent les vidéos aujourd'hui, mais ils sont beaucoup trop petits pour comprendre les messages cachés derrière chaque vidéo. Mais je sais qu'il y a toi. Toi qui regardes les vidéos et qui comprends tout. Et pour éviter que tu aies home money, je te propose de participer aussi à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, laisse-moi ta question et moi j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Exemple, aujourd'hui nous répondons à la question de la famille Fleury qui me demande si jamais j'ai des bonnes adresses côté Kaikai. Donc aujourd'hui nous répondrons à cette question, mais avant ça, on va vlogger notre journée. One eternity later. Bon ben les gars, je suppose que vous aurez compris que c'était dû de vlogger aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, on sera obligé de faire les choses différemment puisqu'on va pas du tout répondre à la question du jour. Mais ne vous inquiétez pas, je vais laisser cette question pour un autre jour. Peut-être demain, qui sait? Il faut venir voir pour le savoir. Normalement, là, je voulais même pas sortir cette vidéo. Je me suis dit, je vais m'endormir et puis demain, on verra. Mais comme je le dis à chaque fois, c'est pas, c'est devenu une drogue de pouvoir faire des vidéos chaque jour. Et je me suis dit, non, je vais sortir quand même une vidéo aujourd'hui. Et ce sera une vidéo, en gros, qui va expliquer ce qui se passe ces temps-ci. Ce qui fait que je suis moins assidu. En plus, j'ai même reçu une remarque d'un de mes abonnés. Il a l'impression que j'ai moins envie de faire des vidéos YouTube ces temps-ci. En plus, je t'avais dit que j'allais pas répondre à ta question parce que tu l'as pas posé dans les commentaires. Mais bizarrement, je crois que c'est le Seigneur qui a fait les choses comme ça. Là, ce soir, je me sens obligé de répondre à ta question. Mais attends, attends. J'ai un peu filmé aujourd'hui et je peux quand même vous documenter un peu la journée. Ok. Pour être bref, aujourd'hui, les seules choses que j'ai fait, c'était déposer maman au travail. J'ai même pas eu à aller la récupérer puisqu'après son travail, elle est allée avec ses copines faire une réunion pour l'église. Ensuite, je suis parti me promener avec cousin Tuavira, parce que j'étais avec lui et qu'il devait aller faire quelque chose, j'en ai profité pour faire le ministre. Ça faisait du bien d'être du côté passager, de profiter du paysage, de voir ce qui a changé, parce que je peux pas trop me concentrer sur ce qu'il y a autour de la route quand je conduis. Mais bref, c'était top la petite sortie avec cousin, donc thanks cousin pour la petite balade, excellent. Oh, j'ai oublié, avant ça, comme quand j'ai déposé madame en son travail, elle m'avait donné des fruits que je devais aller déposer à Tonton Nifima, donc j'ai été déposer les fruits avec Tonton Nifima, et comme le plan c'était d'aller jouer un peu avec la moto électrique de Tonton Nifi, et ben je suis allé avec eux pour regarder, pour faire le curieux, pour aiguiser encore une fois mon âme d'enfant qui veut faire des bêtises. J'avoue, je voulais aussi jouer, mais parce que ces temps-ci j'ai la goutte là, on va pas jouer avec le feu. Après ça, je suis rentré à la maison parce qu'on avait lavé le linge, ben j'ai ramassé le linge et tout mis dans la chambre, et comme je sentais une crise arriver ben, depuis avant le linge, ben quand j'ai déposé le linge dans la chambre, boum, Je me suis allongé, j'ai laissé la crise faire son travail. Mais bon, bref, la question. Est-ce que je commence à en avoir marre de faire des vidéos YouTube? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Non, j'en ai toujours pas marre. Ben, la preuve, là, hein, je fais une vidéo alors que je m'étais dit que j'allais juste dormir. Et après, je sais pas comment prouver que j'en ai pas marre de YouTube. Mais je peux t'expliquer pourquoi ces temps-ci, tu as cette impression-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si je suis moins assidu à faire mes vidéos et tout le bordel, c'est juste parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une tumeur au cerveau. Je crois que je devrais rajouter ça à chaque fois où j'avais présent de la chaîne YouTube. Et une des séquelles de cette tumeur-là, ou du moins de l'opération de cette tumeur-là, c'est le fait que je fais des crises. Pour faire bref, mes crises, c'est grosse fatigue, tremblement et... comment on dit ça? Matapouiri. Je sais plus comment on dit en français. Donc, je fais des crises. Et ces temps-ci, c'est souvent que je fais des crises. Quand on était à travaux,
j'ai pu faire une vidéo, mais vous l'aurez remarqué, j'ai dû finir la vidéo le lendemain. C'était pas vraiment parce que j'ai fait des crises, mais c'est parce que aussi, et c'est la deuxième raison pour laquelle je suis plus très assidu dans les vidéos, c'est le fait que j'essaie de profiter moi-même de tout ce qui se passe dans ma vie. J'essaie d'arrêter de filmer en fait tout ce qui se passe dans ma vie, parce que j'ai remarqué qu'en étant la personne qui filme, je profite moins bien de ce qui se passe dans ma vie, à moi, à mes enfants. J'ai plus envie de documenter à chaque fois. Et là, ces jours-ci, c'est devenu de plus en plus difficile pour moi de faire ça à cause des crises, mais aussi parce que je me suis rendu compte de ça. Je profite moins bien de ce qui m'arrive. Maintenant, toute chose a sa solution. Et moi, ça fait déjà des lustres que je cherche la solution à ça, parce que ça fait longtemps que je me rends compte que mes faiblesses sont en train de prendre le dessus sur mes forces, on va dire. Et la solution que j'ai trouvée pour faire ça, pour le moment, je n'arrive pas encore à la mettre en place. Je vais essayer pour la vidéo de demain. Donc, si tu veux voir en quoi ça consiste, bien sûr, la vidéo de demain. Et demain, en fait, ça va être le premier essai de cette fameuse solution. Et si jamais je trouve que c'est plus facile, je vais continuer de faire mes vidéos comme ça, avec la fameuse solution. Donc, voilà. Et le conseil aujourd'hui, il est carrément simple. Tout problème a sa solution. À chaque fois que vous allez y avoir un problème dans votre vie, n'hésitez pas, cherchez la solution, parce que tout problème a une solution. C'est sur ce petit conseil que va se terminer notre vidéo. C'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.